Et salut tout le monde, c'est X-Rouge, et on se retrouve du coup cette fois-ci pour la bêta de Battlefield 1 qui est sortie pour quelques jours en fait depuis le 31, avec un early access pour les insiders, avec serveurs qui ont ouvert il me semble le 30 vers 16h. Et du coup après maintenant tout le monde peut jouer car il s'agit d'une bêta publique. Donc oui, je précise bien, n'importe qui peut aller la download sur le PlayStation Store. Pour ma part, vu que c'est sur PlayStation 4 que ce test se déroulera, comme à mon habitude. Vidéo très brève, pas d'intro vu qu'il s'agit d'une bêta, vous le savez. Donc du coup on va directement attaquer dans le vif du sujet. Je pense que je parlerai plus en détail de cette histoire de Première Guerre mondiale, l'histoire de la remontée de DICE par rapport à Hardline, tout ça, une fois que le jeu sera réellement sorti, à savoir que ce jeu est attendu pour octobre. Et que cette bêta a été publiée, a été mise en ligne de façon publique afin que les joueurs puissent donner leur ressenti. Je m'attarde à aller vite fait. Le mode multiplayer de la bêta nous propose le mode Conquest à 64 joueurs et le Rush à 24, avec juste à la différence des maps légèrement plus petites pour le Rush. Et le simple fait d'avoir aussi des avions dans le mode 64. On va s'attarder du coup sur le Rush avec mes camarades. Que je remercie à l'avance. Voilà, il n'y aura pas de précision, pas de commentaires. Ce sera une vidéo prise sur le direct. Je vais jouer avec eux pour m'impliquer plus dans le game en fait, pour ne pas faire de la merde durant ce test. Je jouerai du coup la classe du soigneur, du coup comme d'habitude, le médic qui a la particularité de pouvoir revive les gens pendant quelques secondes après leur mort ou de poser des medic packs au sol. Beaucoup d'autres postes seront proposés, comme le lieutenant de cavalerie. Vous serez sur un cheval, vous aurez une Winchester qui dégomme sa mère. Vous pourrez commencer dans un tank et bien d'autres choses que les Battlefield ont l'habitude de nous proposer depuis qu'on a l'habitude d'y jouer tout simplement. Donc sans plus tarder, je vais du coup envoyer une mission avec mes collègues. Vu que le mode de joining party entre amis, c'est comme à la Battlefront, il faut faire partie de la même partie vocale pour pouvoir se rejoindre, c'est un petit peu chiant. Ou alors envoyer une quick send à votre ami pendant le temps de chargement, donc c'est assez chiant à faire. Du coup, on va se retrouver de suite sans plus attendre, en espérant que vous pourrez du coup enjoyer cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde, et à ciao. Yeah. T'as dit quoi? Osiris, c'est ce soir? Oui, mais vendredi. Oula, j'avais pas encore vu le brouillard. Ouais, ils ont rajouté depuis hier encore une mise à jour, mais qui a pas été téléchargée, mais ça... T'as différents styles de temps maintenant, t'as plus que la tempête, t'as le brouillard, en fait, t'as plein de trucs. Super cool. Oh, qu'est-ce qu'il m'a tué? Oh non, sérieusement! Eh, j'ai marché sur un mec, quoi! Merde, j'ai perdu le cheval! Mais pas autant. Hein. Derrière nous. Ah putain, j'ai essayé de le revive quoi avant de me prendre la grenade dans la gueule. Chier. Ah. Salut. Salut. Coucou.
Directement, tu vois, Jules, quand tu vas lancer la partie, tu vas pouvoir directement nous rejoindre. Ah ouais, c'est bon. Dès qu'il te propose de rejoindre la partie, t'arrives, quoi. Le serveur est full. Ah, ils vont te mettre dans la queue. Exactement. C'est dégueulasse. Bah, tu es complètement dégueulasse. Putain, c'est affolant. Putain, les mecs, ils attendent leur point, quoi. Bon, tu me diras, en même temps, c'est le but du jeu, mais... Bon, ça se mélasse pas, en fait, c'est merde, quand même. Putain, on est 6 dans le tank, t'es sérieux? Mais il prend même pas ses balles, t'es sérieux ou quoi? Allez, voilà. Oh putain de grenade! Aïe aïe aïe! Je suis mal, je suis très mal. On prend le temps sinon. J'ai tué un cheval. Putain, j'ai plus de munitions. T'arrives pas du tout. Je vais réparer. C'est pour vous, les gars. Bah, quand tu répares, ça te redonne des munitions aussi plus vite. C'est génial, ça. Tu le savais, toi? Non. Voilà. J'essaie de vérifier pour voir s'il n'y a pas 2-3 personnes là, j'ai tiré au mortier. La grenade ici. C'est un peu de fort. À gauche là, maintenant, de côté. Il était armé. Oh, ok, parfait. Allez, il part. Oh putain, je savais qu'il était près de moi, le gars. T'es chaud, Toc. Tu rentres dans un tank, enfin, il fait la gueule. Je répare. Ouais. Mais ça c'est une nouveauté, on pouvait pas les réparer les tanks avant, non? De l'intérieur. Non, il y avait une classe spécifique. Ouais, ouais, non, mais de l'intérieur, je veux dire. Ouais, tu peux pas. C'est pas mal, ça. Moins risqué, hein. Avec du coup, tu peux bouger. Du coup, faut faire ça bien, quoi. Ouais. Mais tu te rends compte que si tu joues bien, ça veut dire que tu pourrais faire toute la game dans un tank, quoi. C'est ce qu'il y en a qui font, je pense, en tant que pas. Ok, les gars, il est à 100%. On va pouvoir aller faire plaisir. Okay. Oh là là. Bon, par contre, moi. Une loi, je vais tout droit. Pareil, le mec tombe pas. Oh là, il se passe pas de fin ce fond là. Ouh là 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 là.
pas. Un gars à dynamite, quoi. C'est bien. You are mid. Et voilà, bim, la hachette dans le dos. Et boum, explose. Bon. Déjà ? L'attaque, c'est fait. Maintenant, la défense. Après, c'est vrai que mine de rien, comparé à BF4, comme tu m'as dit, Jules, c'est vrai qu'il est... Enfin, je le trouve mieux, mais après, BF3, quand même, ça reste vraiment... Ça reste The BF, quoi. Enfin, je sais pas vous, les gars, mais après... J'ai pas joué à BF3. J'ai commencé à BF4. Il était ouf, BF3. Ah, je me rappelle encore ces bonnes petites opérations métro, là. Ah, putain, ouais. Il y avait des snipers de malade, en plus. Gros truc de fou. Ah, la vache. Il est pas mal, quand même, je trouve, celui-là. Mais après, tu vois, voilà, il parlait du jeu, tu vois, qui retraçait la Première Guerre mondiale. Il y a des armes automatiques, j'y crois moyen. Guerre d'Algérie, oui, bof. Là, et puis quand tu vois l'Empire britannique contre les Turcs, tu repenses à la guerre... Ouais, mais là, c'est parce que c'est la bêta. Quand tu auras le jeu complet, oui. C'est ouais, non, mais je me demandais si c'est juste, du coup, le fait que ce soit, comment ça s'appelle, juste style Première Guerre mondiale, mais pas la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, ouais, voilà, parce que là, cette guerre entre voilà, l'Empire britannique et les Turcs, c'était une guerre qui date de 1807 à 1809, quoi. Donc, excuse-moi, mais les armes automatiques, je crois pas que c'était l'époque. Quoi. Que... Quand je regarde la guerre du temps, que... Je vous dis qu'il était pas vraiment comme ça, les temps, quoi, la première fois. Ouais, non, mais c'est, on va... ouais, c'est une ère fictive, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Non, parce que tout le monde partait du principe, ouais, c'est la Première Guerre mondiale et tout, il s'appelle BF1, ouais, ta gueule. We have armed objective apples. The enemy has defused objective apples. Ils ont lancé la bombe, quoi. Oh le bâtard! Putain, j'ai cru que je l'avais tué parce que je lui avais mis un coup de sabre de cavalier dans la tronche, quoi. Je pense que c'est un endroit là. Eh, hey, il est dans les airs. Les bons petits bugs de corps. Tiens, je suis coincé là. Je crois qu'il me vise ce type. Non, il me vise pas. Il y a un sniper au beau milieu de la map. Ouais, j'essaie de l'avoir, mais... Ouais. Il y a un artilleur qui est en train d'essayer d'escalader pour aller le choper. Je vais pas lui faire de cadeau à lui. Voilà. Il m'a eu le bâtard. Tank vide au milieu. Ah ouais, il est vide. Non, à mon avis, j'ai commencé. Parce que je peux dire qu'on m'a mal réussi. Oh, je me suis fait sniper par je ne sais qui. Oh, ok, Fab, à l'autre bout de la map. Ah, je suis après. Je suis dessus. Là. Mais Van, il a 98 de dégâts, quoi. Moi, ah, je vais essayer d'aller le rechauffer parce que là. J'ai explosé le tank. Hein. Oula, avec le gaz là. Putain, y'a un mec. Y'a un mec juste là. Tu l'as écrasé ? J'ai écrasé, je crois. Non. J'ai même pas réussi à l'écraser. N'importe quoi, en fait. C'est lui là, je viens de le spot.
Moi je suis en train de me réparer. Putain, mais y'en a un autre, il est où là? Oh putain! D'accord, ok, par un autre, ok. Ah, oh, flinguez-le, ouais, c'est bon, il est sous le tir. Allez, allez! Ah, oh, putain, il s'est couché. Ah, t'inquiète, je vais aller l'empaler, moi, tu vois. Foutez-lui un pruneau! Je suis en train de lui courir après. Oh, ah. Oh, le finish que tu lui as mis, toc! Oh putain, entre les omoplates, quoi. Celle-là, elle a pas fait du bien. Putain, j'avoue. Ça me fait peur à chaque fois de voir un tank, même s'il est vide, quoi. Tu te dis... Oh, oui, tu m'écrases. Mec, il peut rentrer à tout moment, quoi. On a de la chance, en fait, hein. On a fait une attaque et on retombe encore cette fois-ci en attaque, quoi. Allez, Akbar. On est turc? Bah non, qu'est-ce que tu te dis? Ah, Rick et Morty. Toi, t'es en face. Hein. J'en spot un. Putain, il y en a un autre à l'autre bout de la map. Putain, j'arrive pas à passer. Je crois que je galère. Hein. Allez, maintenant, faut commencer à jouer. C'est un tank là-bas, il y a quelqu'un? Ouais. Oui. C'est passé dans la tranchée. Hein. Il y en a encore un là, je l'ai marqué. Tiens, j'arrive pas à l'avoir. Il est juste là. Il est couché comme un PV. Pas grave, je prends un obus. Oh le finish him! Il saute partout comme un lapin, quoi. Oh, oh putain, le temps que je reload, bordel. Damn. You, this is fool. Il longe la colline, il veut aller vers le pont de pierre pour grimper. On va essayer d'arrêter. Oh putain, j'ai mis sa balle dans sa tête. J'ai repris la cavalerie. El caballero. Return to the combat area. Ah, j'ai vu un gars, il est monté dans mon temps, ça m'a fait peur. On se demandait qu'est-ce qu'il fout. Attack the new objectives. Ah ça y est, on peut grimper. Putain, le tank. Le tank il est placé devant B là, fais gaffe. J'ai failli ramasser la par contre. Attendez, j'arrive, je peux pas derrière. Par contre, moi je l'ai plein fer. Quelqu'un peut le spotter le tank? Alors attends. Je sais pas ce qu'il faut moi pour ça. Bon, hop, mon gars. Bouge pas, toi. Je l'ai fait sortir. Je suis en train de faire le tour par tout en haut de la colline. Vous pouvez spot sûrement, vous serez tout en haut. Je suis monté. Ouais. Pour les snipers, ça vous donnera un bon visu. Je me suis débarrassé du temps. Si jamais vous avez d'autres missions, je peux en larguer après des soins. Oh, mais où, toi? We have taken out...
Oh, mais c'est chité, les pompes. J'espère qu'ils vont être meilleurs, quoi. Et qu'il y aura plus de choses pour plus de choses pour les Ken. Ah putain. Oh là là, ça arrive sur toi avec le feu de revive. Oula, t'es en train de me tirer dessus. Ouais, comme tu déchires l'avant, je suis en train de faire la partie dans le temps. Quoi. Quand même. Oh là là. We have taken out objective butter. We have taken out objective. Ok, c'est bon. Alors, toi mon gars, je t'ai vu. Putain. Toi t'es muerto mon gars. Après, mais ta gueule. Il a pas pris le headshot. Putain. Attack the new objectives. Il y en a dans la maison. En bas ou en haut? En haut. Là où on est là, ouais. Là où Charlie va dedans. Là. Attends, attends, je monte par les. We have armed objective butter. Ah, une petite ouverture ici. Merci X Rouge. Pas de soucis, je suis là pour te heal, même avec la cavalerie. Non mais ce qui est bien au moins avec le cavalier, c'est que tu peux mettre autant des munitions que de la vie, ça c'est fou ça. Moi aussi je peux vous larguer des munitions et de la vie. Avec le temps, quoi. Tu crois qu'à travers le temps que je peux t'en donner. Hop. Attends, merde, trompé de touche. Oh, on a pris une smoke. Ouais non c'est moi. Merde. C'est le temps. Ah. Putain, il est équipé de smoke. Ouais, et je peux faire un largage aussi. Même. Bon. Y'a quelqu'un va armer là. Ah, mais c'est qu'il y a de. Attends. Attendez, moi je vais vous faire le ménage. Ok. Oh, il y avait des mines, ouais. Ah merde! Putain, j'aurais fait toute la game, sinon. Y'a un mec derrière. T'arrives à ta gauche. Oh putain, je me suis fait avoir dans le dos, je crois. Ouais. Bon, après, le mec il est apparu comme ça par magie avec une pelle à la main. Non, une matraque. Faites gaffe, c'est tout autour de la maison. Hein. Non, mais moi ils m'ont démonté. Oh putain, je suis obligé d'apparaître au respawn, t'es sérieux?
Ah, on y était presque. Ah putain, ils ont repris. Ouais, ouais, c'est affolant. C'est bon, il reste un peu. T'es pas loin en plus là. Voir 2-3 traves. Allez les gars. Je sprint la baïonnette au bout. Je vais plus vite. J'adore. Vas-y, moi je fais le tour. Je vais essayer d'aller faire un petit peu le tour par la droite. Ouais, mais on a découvert en ce moment. Elle a été ouverte comme un livre. Tu lui demanderas quelle page on est, s'il te plaît. Ouais, je lui demanderai t'inquiète. Putain, le mec il attend là. Oh putain, ouais, non, mais là il y a trop de fire. Putain, y'a le tank juste là en plus. Ah putain, mais ouais, mais je pensais pas que le tank. Oh oui, non, mais en fait, si, il avait une ouverture de fou en fait. Je pensais que le mur était moins pété que ça, j'aurais pu m'accroupir et éviter ses tirs. J'ai fait le ménage dans la salle, hein, mais y'a plus que le tank en fait. Y'a pas un asso guy là qui pourrait le TNT. J'ai balancé mes deux grenades, j'ai balancé putain, mes deux grenades. Il a tué beaucoup de grenades. Combien de temps il nous reste hein? Putain, avec le gaz moutarde là, minutes. Il m'énerve tous. T'as le temps, 5 minutes. Attends, bon, je rejette une grue dedans, hop. Ah, y'a personne. Ce qui est chiant avec ce masque, c'est que tu peux pas viser, c'est une horreur. C'est bon, j'ai pété le tank. Nice. Parfait. C'est maintenant ou jamais. Allez, à nous de tenir maintenant. Je mets autant de bandages au sol que possible. Grenade, elle est pas dans la pièce, c'est bon. Elle est pas dans la pièce non plus. Ça arrive. C'est bon. Nice. J'ai. Ah, oh, ça c'est kiffant. Ah, c'était facile. Bon, génial.